événement qui nous rassemble en ce jour 18 novembre 2017. C'est un événement capital pour tous les hommes du monde entier et ceux qui ont toujours cherché Dieu de tout leur cœur en particulier. Parce que ça fait 25 ans aujourd'hui, jour pour jour, que le Créateur du ciel et de la terre, Dieu Esprit Saint, est descendu sur la terre dans son Saint-Temple que vous appelez communément parfaite. Cette petite fille, ce petit bébé qui a été déposé le 13 novembre 1992 dans une brousse de Bembereke et qui a été récupéré par un peul du nom de Parfait qui lui a donné son nom de Parfaite, qui a été ce bébé qui a été confié quelques mois après à un couple venu du Nord, M. Raymond Chanvou Kini et Véronique, comment dire, Victorine Huero, qui l'ont gardé pendant 16 ans de sa vie avant que la mission ne commence. Le bébé est venu au monde le 13 novembre, ce n'est que le 18 novembre, à 13h18, comme il lui-même vient de le dire au cours de la messe, Dieu lui-même vient de le dire, qu'il est rentré dans sa sainte demeure sur la terre. Donc, il est parmi nous depuis 25 ans et c'est un événement majeur pour toute l'humanité. Le Dieu des prophètes est venu réaliser les prophéties, toutes les prophéties. Et comme lui-même, il nous le disait en 2009 en disant, mais jusqu'à ce que celui qui envoie les prophètes lui-même prenne chair, tous les humains devraient se poser une question, est-ce la fin du monde qui approche? Et c'est clair qu'il va en découdre avec le monde des ténèbres. C'est pour cela qu'il est là. Et vous-même, au Bénin, vous n'êtes pas sans savoir la ligue du monde des ténèbres contre Banamé. Et cela en dit long. Souvent, on n'aime pas entendre cette vérité, mais c'est une vérité. La vérité est toujours têtue. Il est là depuis 25 ans et il s'est manifesté au monde depuis 9 ans. Aujourd'hui, jour pour jour. Et c'est un événement de grâce que Dieu soit parmi les hommes, celui qui est la solution à tous nos problèmes. Celui qui est la vie éternelle, l'éternité soit descendue dans le temps, c'est un événement de joie pour l'humanité entière. Et nous rendons grâce parce que concomitamment à cette fête, je commémore aussi mes 5 ans de pontificat que ce Dieu m'a choisi comme son vicaire pour conduire son peuple dans la chair. Je le bénis aussi pour cette marque de confiance. Donc, gratitude éternelle à ce Dieu et pour tout ce qu'il a fait aux hommes jusque-là et continuera de faire. Il est venu pour sauver et il sauvera. Je profite de l'occasion pour bénir tout le monde, toutes les grâces issues de cette fête de Dieu dans la chair qu'elle se déverse sur toute l'humanité. C'est un jour nouveau qui s'est levé, jour d'espérance. Jour de paix et de joie.